Le point du match nul leur suffirait pour valider leur ticket pour sortir de ce groupe. On se retrouve tout de suite pour ce match. Tous les projecteurs sont braqués sur la pelouse de l'Albaït Stadium. Bienvenue à toutes et à tous. On a hâte que ce duel démarre. Au commentaire de ce rendez-vous, Benjamin Da Silva et le vrai génie, le seul génie argentin, j'ai nommé Omar Da Fonseca. Au menu, ce troisième match de phase de groupe du Mondial. Et c'est une magnifique fête qui s'annonce pour tout le monde ici. On aime toutes les compétitions, mais un match de Coupe du Monde, c'est toujours différent. C'est ton pays, ton hymne, ton drapeau. Et voilà la composition officielle de cette formation. Une formation assez classique, avec ses deux ailiers de chaque côté. C'est le 4-3-3 traditionnel. Et un œil sur les 11 titulaires de cette équipe. 4-5 ans offensifs, aussi le 4-3 avec double pivot devant la défense et 4 joueurs offensifs. C'est le schéma pour avoir la possession du ballon. Et voilà, c'est parti pour ce match de poule de Coupe du Monde. Pour Mendy. Et il n'arrive pas à conserver ce ballon. Ah non, pas bien dosé ce ballon et ça file vers le gardien. Et l'équipe adverse récupère le ballon sans effort. Ah, la frappe longue distance. Ballon capté sans problème. Pour Mendy. Ouais, le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Sans aucun effort pour le gardien. Et pourquoi pas un tir ? Oh, la bonne parade ! Ah, le corner bien tiré. Et cette tête ne donne rien. Et c'est capté facilement. Un ballon repris sur ce duel. Ah, il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Oh, il la frappe. Et voilà, l'ouverture du score, amplement méritée après une nette domination. On le revoit ici. Le 1 contre 1 est parfaitement négocié.
le défenseur est battu au départ. Mais regardez, la pression défensive s'accentue. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Le ballon sort, c'est une touche. Oui, bien joué, le bon mouvement là. Ah, le centre s'arrête sur le premier rideau défensif adverse. Mané. Ah, attention, le ballon leur échappe. Ah, la frappe est contrée. Ah non, ça va pas du tout cette passe. C'est pour Sadio Mané. Interception réussie, ballon récupéré. Oh, ça peut aller au but. Et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Grosse occasion, mais la défense parvient à écarter le danger. Il est décisif cet arrêt. Un au début des cas, ce n'est pas du tout la même chose. Et peut-être que cette intervention va entraîner une réaction. Et bien vu, la passe en profondeur. Quelle intervention, absolument décisive. Attention à cette passe. Ah dommage, ça partait bien, mais le ballon change de camp. Le drapeau s'est levé, hors jeu. Ouais, la bonne ouverture, magnifique. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il marque le deuxième but sur cette action. Et c'était sans compter sur le gardien qui anéantit provisoirement ses rêves de doublé. Cornea. Et cette tête va directement dans les bras du gardien. Ça manquait de puissance et de conviction. Kanagay. Ah, il perd ce ballon. Ballon pour Sarr. Gueye reçoit le ballon. L'intervention de l'arbitre, c'est terminé. C'est donc la pause à l'Al Bayt Stadium. C'est parti, le coup d'envoi de ce match de groupe de la Coupe du Monde. Et pourquoi pas un tir ? Oh, la bonne parade ! Ah, il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Oh, il la frappe ! Et voilà ! L'ouverture !
l'ouverture du score, amplement méritée après une nette domination. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il marque le deuxième but sur cette action. Mais c'était sans compter sur le gardien qui a anéanti provisoirement. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps de cette rencontre de phase de poule du Mondial. Aïe, 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 ballon perdu. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Ah, la menace était réelle et la récupération est décisive. Et un corner pour essayer d'égaliser. Le corner. Ouais, c'est mal tiré le corner et c'est tranquillement capté par le gardien. Bien défendu. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Voilà une attaque qui progresse bien. Attention à la frappe. Oui, joli réflexe. Allez, bien frappé ce corner. Oh, c'est dedans! Une trajectoire surprenante. Le ballon est dévié, mais ça fait but. Et oui, on le revoit sur ces images. Avant de passer la ligne, le ballon est dévié. Ça donne une trajectoire. Deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Allez, il faut lever la tête maintenant. Il faut tenter sa chance. Ah non, c'est contré. Ballon pour Ganagaï. Bien fait, une bonne intervention pour dégager ce ballon. Idrissa Gueye. Ah, l'offensive se poursuit sur le côté. Oui, c'est bien vu, c'est bien joué en pleine surface de réparation. Oui, c'est bien fait, le danger est écarté. Ballon pour Sarr. Et maintenant Sadio Mané. La puissance y était, mais pas la précision. Une bonne occasion, et ça passe assez loin. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Allez, non, le ballon est perdu là. Ballon pour Sarr. À l'occasion de faire parler sa frappe. Et voilà l'arrêt qui fait du bien. La défense peut souffler. Ah, ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Ah, le corner bien tiré. Incroyable, c'est sauvé sur la ligne de but. Et le pressing sur le porteur. Un ballon rendu à l'adversaire. Sarr. Ah, dommage, c'est contré le centre.
bonne intervention pour stopper l'attaque avec Crépin Diatta. Et le tir part bien. Magnifique ce contre. Alors on approche de la fin de ce match et si tout va bien, l'aventure dans ce mondial va continuer. Ah non, on commence pas, on n'en sait jamais. Bah quand même, ça commence à sentir très bon là pour la qualif. Bonne course dans le couloir pour venir provoquer balle au pied. Vers ses partenaires dans la surface. À la parade, Edouard Mendy. Sarr. Interception réussie, ballon récupéré. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Attention, la Diatta. Et oui, le but, ce but pour plier le match. L'écart maintenant est de 3 buts. Voilà ce qu'on appelle casser des lignes. Cette passe en profondeur, c'est elle qui vient éliminer le dernier rideau défensif. Bon, le but ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient conclure un bon mouvement. Et le récital en attaque se poursuit, ce nouveau but en est la preuve, la défense est vraiment en souffle. Récupération du ballon. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Le ballon pour Mané. Ah, il est bien placé, Sadio Mané. Oh, le super geste défensif. Quel bombardement il vient de nous mettre. Ça va tellement vite que personne ne peut intervenir au centre. Et avec ce but, le score est sévère, 4 à 0. Voilà, c'est confirmé par le quatrième arbitre. Nous jouerons 3 minutes supplémentaires au minimum. Ah, il s'est bien défendu, le ballon est récupéré. Et balle au pied toujours dans le camp adverse. Ganagay à la réception. Et l'arbitre siffle donc la fin du temps réglementaire. On en reste là avec cette victoire à domicile. Contrôle du match et de l'enjeu. C'est une très jolie victoire pour cette équipe.